things. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play. How I... Salut tout le monde! Vite, viens dire salut tout le monde. Salut tout seul. Il est là. Bienvenue dans ce retour de course. Je me refais une... Oh là, il fait jour d'un coup, c'est quoi? Salut. Qu'est-ce que... Jure. On a payé la facture? Ah merde. Ah. Faut en profiter. T'avais dit de pas la payer. Ça va pas durer. Bon, retour de course. Alors attends, avant tout, commence pas. Avant de tout sortir, faut que je vous explique. On a fait les courses à Leclerc parce qu'en fait, il y a un eurocycleur et on a été déposer les centimes qu'on avait, donc les pièces jaunes et les pièces rouges. Elles sont rouges, hein? Oui. Ben voilà, on a gardé que les pièces de 2 euros à 1 euro pour cet été, comme vous le savez. Bref, on est allé les échanger là-bas et on a eu un bon d'achat de 45 euros. 45 euros et des brouettes. Et des perouettes. 45, des perouettes. Donc voilà, donc on a fait les courses là-bas. On en a eu pour un total de 85 euros. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Et ensuite, on est allé chez Grand Frais et chez Grand Frais, on en a eu pour un peu moins de 10 euros. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il veut vous montrer une photo. Il court. Alors attendez, parce qu'il y a le temps qu'il trouve, on a le temps de faire une sieste. Ouais, bah attends, c'est pas de ma faute. Bon, donne-moi la pastèque. Donc, à Grand Frais, on a pris une belle pastèque. Donc en tout, on en a eu pour 95 euros. Hein. C'est horrible. Ignoble. Trop cher. Je sais pas si ça va se voir. Si. Je crois pas. Mais si. Donc voir. Voilà, le nombre de pièces qu'on avait. Hop. Voilà, 45 euros 26 précisément. Donc entre Leclerc et... Putain, les œufs, ils sont ouverts. Ah entre Leclerc et Grand Frère, on en a eu pour 95 euros. Non, il y en a 6 offerts. Donc voilà, la pastèque. Ensuite, à Grand Frère, on a pris, j'ai pris, parce que j'adore ça, de l'époque où j'y travaillais, des petits crackers comme ça, donc à la mozza et les autres quinoa. Ouais, quinoa. 4 euros les deux paquets. C'est très bon et très sain. Ensuite, à Grand Frère, on a pris quoi à Grand Frère d'autre? Une salade. Ah oui. On a pris une belle feuille de chêne. Je vais pas vous la sortir parce que voilà, mais bon, une belle feuille de chêne. À 99 centimes pièce, et c'est tout, je crois. Ensuite, je vais commencer par le frais. Comme ça, il peut ranger direct, mon assistant. Hein? On ne voit plus. Alors, du bacon fumé comme ça, de la marque Eco Plus. Des petits bâtons de surimi. Alors par contre, il n'y aura pas de viande, hein, parce que la viande était hors de prix. Puis de toute façon, c'est la saison des salades, donc voilà. J'ai juste pris comme ça deux petits steaks hachés, 5% de matière grasse pour Aria, c'est tout. Je les mets au congélateur, s'il te plaît. Ensuite, j'ai pris une barquette comme ça de 10 tranches de jambon, parce qu'il y avait la boîte, et c'est super pratique dans le frigo, ça évite que la charcuterie ne dessèche. Et j'ai pris la même chose en filet de poulet. La prochaine fois, on n'achète que la boîte. Ouais, ça coûtera moins cher. C'était 4,50€ avec les tranches de jambon, donc c'est pas cher finalement. Parce qu'il y a quand même 10 tranches. Ensuite, 4 boules comme ça de mozza, comme d'habitude. J'ai mon fromage qui reste accroché. Voilà. En même temps, c'est... Tais-toi, je vais être méchante. Je vais dire une insulte. Et après, je vais être boycottée de YouTube à cause de ta faute. Une fourme d'Ambert comme ça que Seb adore. N'est-ce pas? T'adores la fonte d'Ambert? Bah, dis-le aux gens. Par contre, non, je le touche pas. T'en mangerais bien au petit déj. Comment ça, tu le touches pas? Non, tu le manges? Je touche pas ta truc. Mais là. C'est emballé, allez, arrête ton cinéma, là là. C'est un frisbee le truc, tiens, regarde. Mais ton camembert qui est dur comme du béton, c'est pas un frisbee? Si tu le prends dans la gueule, par contre, tu vas. On a tendance à qu'il l'a pris dans la gueule, voilà. Un coulommier comme ça, dur comme du béton pour monsieur. Immangeable le truc. Ensuite. Ah. Salut. Allez, t'as un petit coucou. Coucou. Voilà, on fait le retour de course en famille, hein. Je sais pas si vous avez vu. Il m'en fait 3 filles, mais bon. On s'est pris 2 petits fruits de la passion en fourbe, comme ça on va se les manger avant que les filles rentrent. Non? Comme ça, elles les auront pas vues, de toute façon on regarde pas la vidéo retour de course, donc on s'en fout. Comme ça, si vous la regardez, vous nous le dites. Parce que si on se fait engueuler, on se croit à bien regarder. La patate douce. Vas-y. La présentation de la patate douce. La patate douce. Par contre, elle n'est pas douce. Hein. Non, elle est rugueuse. C'est une vieille patate douce. Ah putain, bah, la vache. Elle a, voilà. Ensuite, un petit régime de banane pour la demoiselle là-bas, le mini singe. Petit singe. Le mini Seb, quoi.
Ensuite, on a pris une barquette de nectarine, comme ça. T'es long. Mais c'est pas bon, ouais. Un paquet de nouilles. Ça rentre pas. Espèce de nouille. Un sirop de citron. Et tu peux éviter les gros mots, t'es sur YouTube. Pardon. Merci. Une géante bouteille de menthe. En même temps, si t'enlèves la barquette, ça rentrera mieux, je suis sûre. Un petit flacon de mayonnaise. La vidéo, elle va durer 3 heures. Les cacahuètes pour monsieur. Un pain de mie qui m'a encore mis au fond du sachet. Donc voilà ce qui reste du pain de mie. Alors, non. Elle m'a donné le sac, il y avait le pain de mie à l'intérieur. Et donc tu m'as tendu le sac, moi j'ai chargé. Non mais c'est une blague, tu l'avais vu le pain de mie, puisque tu m'as dit il n'est pas vide, il n'y a pas de mie dedans. Bah pourquoi tu ne l'as pas enlevé toi? Une petite boîte de maïs. Vous remarquerez quand même qu'il n'a jamais tort. Hein. Toi non plus. Des petits, mais moi j'ai pas tort, toi t'as tort. Des... Quoi? Quelque chose à dire? T'as tort. J'ai pas tort, mais t'as raison. J'ai raison, oui. Oui. Des Fruit Loops à la fraise pour la naine qui crie là-bas. Une géante boîte de thon comme ça. Enfin, géante, tout est relatif. Tiens, ça va au frigo. Par contre, il doit venir d'Ukraine aussi. Ça, c'est des yaourts pour Aria. D'ailleurs, dans les 80 et quelques roues, il y a aussi les courses d'Aria. Oui, dans le frigo, il y a aussi les courses d'Aria. Donc voilà pourquoi on en a eu pour si cher. On a enfin de l'huile de tournesol. Je vais pouvoir refaire de la vinaigrette. À 2,50€ le litre. Donc j'en ai pris deux. Forcément, ça monte vite. De quoi? Non, c'est de la miette de thon. Il y en avait? Non, à la tomate, c'est pour Romaine. Il y avait des... on a pris des tomates grappes, il y avait des tomates grappes, donc je les ai prises. Oui, monsieur. Voilà, des tomates grappes, t'enlèves le sac avant de mettre dans le sac. Tu veux pas que t'enlèves la grappe aussi, non? Je veux bien que t'enlèves ta... D'accord. C'est pas possible. Ensuite, on a pris ça aussi. Pour ces demoiselles, les Mister Freeze, qui étaient en promo, à 2€ et des brouettes aussi. Et des brouettes. Ah, c'est tuf le bébé. 2 litres de lait. Normal quoi. Non, mais là, le sac il est trop bas, je vais me casser le dos déjà que j'ai mal au dos. Oh, excusez-moi, je vous ai poussé. Maman, j'ai poussé mes abonnés. Une autre bouteille d'huile de tournesol, donc je vous avais dit il y en avait deux. Hein. Tu peux ranger ma mour s'il te plaît, puisque là tu me regardes, mais tu ne sers à rien en fait. Bah je fais quoi? Tu fais rien. Tu crois que je fais quoi là? Bah rien. La vraie, la salade, ça fait une demi-heure qu'elle est là. Non mais la salade. La salade elle est cuite déjà. Non mais la salade. Faut enlever le plastique. Non mais. La salade, je vais pas la mettre en première et mettre les trucs dessus. Mais non mais elle rentrera pas dans le bac de toute façon. Mais tu vas voir Caro. Ah bah c'est sûr, elle va rentrer, il n'y aura plus rien à bouffer. Regarde. Alors? Non, t'as pas me la tuer là, la pauvre. Un tartare. Un autre pack de yaourt pour Aria. Aria, s'il te plaît. Un géant concombre. Tiens, je peux le mettre dans le bac à légumes, il va rentrer dedans. Des courgettes. Pour... je vous dis pas ce qu'il est en train de faire derrière. C'est obscène, c'est une honte. Putain. Et de même. Ok quoi. Un coup de courgette. Des épinards. Des haricots verts. J'enlève le filet aussi, non? Non. Un paquet de spaghettis. Une deuxième boîte de thon. Ça sent les salades, les gens. Ça sent les salades. Les haricots verts aussi, tu peux les mettre au frigo. Comme ça, quand je les mets en salade, c'est frais direct. Et un gel pour monsieur. Voilà, c'est tout pour le moment. On n'a pas oublié de sac dans la voiture, t'es sûr? Ah, il reste un gros sac de pommes de terre dans la voiture. Et il un gros pack de... Vous êtes témoin. Un gros pack de papier toilette. Voilà. Et donc, le frigo est... Fais voir. À la bouche. Et bien plein. Ouais, et ah oui, non, je l'ai montré, la pastèque. Donc voilà, la pastèque, par contre, je sais pas où tu vas la mettre. Ça, tu peux le jeter déjà. C'est mort. Donc voilà, 95€ avec grand frais et on est pas mal. Voilà. Après, il me reste de la viande au congélateur comme je vous l'avais dit et il me reste encore dans les placards. Aria, on a fini. Ah, et j'ai oublié ça.
des œufs, il y avait 12 œufs plus 6 offerts élevés en plein air. Les œufs, bien sûr, ils sont élevés en plein air. Ouais, bah oui. Céréales 100% françaises. C'est des œufs. Il y a des céréales dans les œufs? Bah, les céréales qui font bouffer les poules d'Ukraine. Qui font bouffer les poules de quoi? D'Ukraine. D'Ukraine. Bah, oui, c'est sûr. Enfin bref, ça y est, on dévie du sujet. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de course. Tu peux me passer le bébé, maman, s'il te plaît, comme ça je peux clôturer sans entendre crier. C'est pas gentil. Le bébé arrive. Oh, un bébé qui vole. Regarde, regarde, t'es là. C'est qui? C'est le bébé? Donc voilà, c'est tout pour ce retour de course. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Ah oui, j'ai pris ça aussi chez Blacher. 4 baguettes, 3 achetées, une offerte. C'est les blanches, les maris blanches. Donc voilà, et c'est tout. C'est tout, c'est tout. On n'a rien oublié, je pense. Hein. Non. Si vous aimez pas, un pouce bleu. Voilà. On est mal. Hein? Il n'y aura pas beaucoup de pouces bleus. Attends, je vais faire un peu plus de conneries. Plus tu fais de conneries, plus ils aiment. Regarde, on m'a demandé à ce que tu sois toujours à l'aéroport de Bourg. Ouais, non, faut pas déconner, je vais me faire payer, moi. Pourquoi t'es pas assez payé, peut-être? Ah, avec tout ce que tu me coûtes? À qui? À moi. À toi? Oui, à moi. Allez, sur ce, on vous laisse, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Tu viens de dire au revoir? Salut, salut.